Salut, allez, c'est Seb. Alors, vous me voyez, je vous vois pas forcément. On se retrouve pour une vidéo sur un mode, encore une fois, d'AMS2. Vous voyez, on est sur l'interface du jeu. Toujours pas en 1.6, puisqu'on est sur 1.5.6.3. La nouvelle version n'est toujours pas sortie. Donc, je suis en VR, comme vous pouvez le voir. J'essaye de revenir hein, tout doucement parce que hier, je me suis fait une session complète de course pendant 2 heures et demie. Ça s'est pas trop mal passé et franchement c'est un kiff total hein, revenir dessus quand ça marche et quand j'ai pas de problème perso en termes de vue et de maux de tête comme j'avais vu précédemment, c'est vraiment top. Donc on est parti, on est sur l'interface du jeu. Ce que je vais vous proposer ici, c'est un mode circuit. Alors on est parti course simple. Donc le mode c'est celui-ci. Leyden Hill, donc circuit anglais. Alors je sais plus trop où je l'avais fait, ce circuit-là, sur quel jeu. Est-ce que c'était en rallye ou est-ce que c'était avec une sur la piste? Parce que les modes vont comprendre deux déclinaisons, la rallye cross et la GP. Donc on va commencer par la rallye cross et en voiture on va prendre cette petite RX Lite. Hop. C'est parti pour 5 tours. Alors vu que c'est un mode circuit, rallye normalement on n'est pas autant. Ça risque d'être un petit peu le bordel. Allez, on est sixième pour l'instant. Mais en travers. J'ai passé la troisième. Heureusement que j'ai pas mis de dynamique trop fort. Le podium est juste devant. J'espère que le micro est pas trop mauvais, hein, c'est celui du Quest Pro. C'est jusqu'au prochaine vidéo, enfin la deuxième partie, une petite annonce peut-être. Il s'est mis de travers devant moi lui. Je vais prendre ici. Et l'inter lui. Ouh,
c'était du sport. Oh là là, troisième. Allez, on en termine et on passe sur la version road. Allez, donc la version road, la version GP. Hop, on va sélectionner ça. On va se faire ça avec quoi? Et si on se tentait ça avec des petits groupes B? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Eh bien, on va aller voir tout de suite. Allez, on est parti. On est contre l'Audi et la Ford. On se trouve en... On va allumer les phares. Hop. Pareil, que 5 tours. Rien. J'avais un tour soit peu oublié. Ça se traîne là. C'est la Renault qui a du mal. Il faut y aller. Léger travers. N'hésitez pas à me dire hein, si vous allez télécharger ce mode. Il est un peu particulier hein, parce qu'il a les... quasiment les deux tracés identiques, ce sont RX GP. Sur des petites voitures, ça peut être sympa. Encore une fois, n'hésitez pas à tester, c'est gratuit. Allez, monsieur Clafford, il faut y aller. Si vous êtes arrivé jusque là, vous avez peut-être entendu dans la première partie que je devais vous donner une petite news. Si ça se passe bien, et si voilà, là on fait nappe. Les prévisions sont bonnes, je devrais peut-être, je dis bien en conditionnel, peut-être avoir le Peak Max Crystal Light à tester. C'est peut-être parce que rien n'est encore acté. Si ça se concrétise, ce sera le premier matériel que je n'aurais pas payé, que je pourrais tester sur la chaîne. Casque vraiment. Et je vais pas dire spécialement pour le sim racing, mais vraiment les light par les spécificités, par le fait qu'il n'y ait pas de batterie, plus dédié à l'autonome, donc c'est vraiment du PCVR pur. Tester le logiciel hein, s'il est meilleur, s'il a évolué en fonction des années, parce que c'est vrai que moi le dernier que j'avais testé c'est le 5K. Vraiment déçu. À voir, j'espère vraiment pouvoir concrétiser ça. À l'extérieur ça passe? Non, ça passera pas. Peut-être passer à la 2 là. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires et nous on se dit à une prochaine. Tchuss.